Salut les potes, donc là aujourd'hui c'était censé être yoga, mais finalement ça va être muscu. Ah mon pote, yoga ou muscu? Muscu. Du coup là on part s'entraîner comme d'hab, sauf qu'aujourd'hui par rapport à hier, ce qui est cool c'est que il fait vraiment plutôt beau, il fait déjà beaucoup plus chaud qu'hier, et puis il n'y a pas vraiment de vent, du coup c'est pour l'instant c'est pas mal. Cet après-midi, moi je pense on va vraiment bouger parce qu'hier il a plu et tout, c'était vraiment tant de merde. Du coup on se retrouve au parc. Oh les gars, donc l'entraînement il est fini. Donc pendant l'entraînement, en fait il y avait à côté, donc là il y avait le baseball qui s'entraînait. Je sais pas si vous voyez, il y a une équipe de baseball qui s'entraînait. Et je crois qu'ils ont envoyé au moins 12 balles de l'autre côté. Du coup à chaque fois Marco il était tout le temps les renvoyer. C'est un peu casse-couille mais bon voilà. Du coup là on va aller faire les courses. Et puis on se retrouve tout à l'heure après manger dans l'après-midi. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Bonjour tout le monde, donc du coup avant de manger je voulais vous montrer vite fait ce qu'on avait acheté pour manger du coup. Et puis en même temps du coup on s'est acheté aussi des petites baguettes comme ça, donc pas très cher, on les a payées 4 euros environ. Du coup je vais vous montrer de suite ce qu'on s'est acheté. Hop. On a acheté les petits oignons donc pour faire frire avec la viande etc, pour faire cuire c'est bon. Après au niveau congèle on a acheté des raviolis et après on a acheté le truc de viande surgelée comme ça, c'était pas trop cher, franchement super bonne la viande là. Après on a racheté des bananes parce qu'elles étaient vraiment pas chères. Là on a acheté des poivrons, des concombres pour faire avec les sushis, donc ça c'est du poisson frais pour faire les sushis. Donc je vous ferai une petite vidéo comment faire les sushis si vous voulez. Et puis après c'est tout, on a racheté de la sauce, donc la sauce pour la viande et puis de la mayo. Et pour finir on a acheté quelques ramen. C'était vraiment pas cher, c'était moins d'un euro et c'est des assez gros trucs, c'est assez bon. Et puis ça, ça avait l'air trop bon ça. Comme des petits feuilletés avec du Nutella dedans. Voilà, du coup on va aller manger et puis on se retrouve plus tard. Je vous dis à tout à l'heure les gars. Bon les gars, là on est sortis du coup. Je sais pas encore où on va aller, mais on se retrouve tout à l'heure, que ce soit ou à la station ou autre part. Je vous dis à tout à l'heure. Bon les gars, du coup là je fais le petit résumé de ce qui s'est passé. Finalement on a décidé d'aller demain dans les autres quartiers. Et on s'est dit qu'on allait finalement se balader dans Shinjuku parce qu'il était déjà assez tard. On a dit qu'on voulait plutôt profiter demain, donc je pense qu'on va partir demain tôt vers 14h, 15h. Parce que là il était déjà tard. Bonsoir à tous les gars, voilà, donc on se retrouve donc là le soir. Du coup ça fait déjà 2 semaines qu'on est à Tokyo. Et puis voilà, c'est passé vraiment super vite. Et pour l'instant ça se passe bien, j'espère que ça va continuer comme ça et même encore mieux. On va faire plus de trucs etc pendant les vacances scolaires, qu'on va pouvoir rencontrer plein de japonais et tout. Bref, sinon du coup là c'est le résumé de la journée. Le matin ouais, on est allé faire du sport. Du coup après le sport, ce qu'on a fait c'est qu'après on est allé faire les courses parce qu'on avait plus de viande ni rien. Et après l'après-midi on voulait sortir, sauf que le temps qu'on rentre, qu'on fasse à manger, qu'on range tout etc, il était déjà 16h. À la base on voulait aller dans un autre quartier mais finalement on est juste allé retourner dans Shinjuku. Et puis voilà, on a fait un petit tour tranquillement, s'est baladé, t'as vu. Du coup voilà, on est rentré vers 19h30. Et puis du coup ce qu'on a décidé c'est que demain matin on va rester tranquillement à la maison, sauf que l'après-midi on va aller visiter un autre quartier, je sais pas encore lequel. Demain on s'est dit le matin on prend notre temps et puis du coup l'après-midi comme ça on sera prêt assez tôt. On commence à cuisiner vers 10h, 10h30, comme ça on est prêt assez tôt, genre vers 13, 14h on peut partir. Et puis comme ça je peux vous faire une petite vidéo sympathique demain. J'espère que cette vidéo vous aura plu, abonnez-vous, si vous avez aimé la vidéo mettez le pouce bleu, si vous n'avez pas aimé vous pouvez commenter et mettre pourquoi en commentaire. Je vous dis à demain les gars, prenez soin de vous, ciao ciao.